Je tente d'obtenir les tout nouveaux Zaki Kenpachi et Grammy pour l'anniversaire des 9 ans. 9 ans de longues années sur ce jeu, un simple jeu mobile, ça en dit des choses. Alors sans plus tarder, c'est parti. Pour cette vidéo, on va tenter d'obtenir le Kenpachi. Je suis pas trop fan des Grammy, je sais même pourquoi c'est les persos de l'anniversaire. Il y a aussi la loterie à 6 étoiles au choix qu'on va faire probablement à la fin de l'anniversaire. Ça dure jusqu'au 31 août. On a le temps. Donc, faudrait mettre le son par contre pour entendre les magnifiques voix. Donc moi, mon but, c'est vraiment le Kenpachi. Comme vous pouvez voir, j'ai 2600 orbes. C'est assez exceptionnel les amis. Je sais pas c'est combien de multi 2600 orbes, mais ça devrait être assez pour au moins attends, calcul rapide. Ouais, pas tant que ça en fait. Au moins 10 multi on va dire. 51 paliers. Ok, je pense qu'au premier perso de l'anniversaire on va arrêter parce que pour les 9 ans c'est seulement la première partie. Donc il y aura sûrement deuxième partie. Il faudrait avoir des orbes quand même. 6% de chance de 6 étoiles, ça va, c'est assez élevé. On a déjà vu mieux mais ça va quand même. Palier 5, 1 garanti. Ok, allez, ouf, je stresse un peu là, ça fait longtemps que j'ai pas fait de invocation sur ce jeu. J'espère avoir la chance. Normalement, je suis assez chanceux sur ce jeu. Ok, 5 étoiles, ça serait bien. Tsukishima! On commence avec une animation déjà. Que se montrez-vous après la pluie? Ok, Rukia spécial printemps, je sais pas. Spécial automne, je veux dire. Ok, nice. Je l'avais pas. Moi, je veux des persos récents que j'ai pas encore. Tu ne verras rien du tout. Encore un truc. Oh, Soifon. Ok, des persos nouveaux. C'est bien ça. On prend. Ben, déjà de nouveau 5 étoiles. Première multi. Ça fait plaisir. Ça commence bien. Et je vais aller checker vite fait la bannière. J'ai toujours pas regardé. Ici, le tri des noms. C'est vraiment spécial qu'ils mettent ceux-là. L'année passée, on avait un Ichigo et un White Zangetsu. J'allais dire White Zetsu. Mais non. Et l'année d'avant, on avait un. Je pense à un Ichigo et un Ishida. Et l'année d'avant, on avait un Aizen, il me semble. Et avant, c'était juste des Ichigo. Rukia, je l'ai ici. Lui, je l'ai pas, mais je m'en fous un peu. Elle, je viens de l'avoir. Tant mieux. J'ai pas le White Zetsu. J'aimerais aussi l'avoir. Soifon. Attends, mais j'ai eu deux persos. Oh, j'ai eu deux persos de la bannière en une seule multi. La Soifon et la Rukia. Nel, j'aimerais l'avoir. Toshiro aussi. Lui, je l'ai déjà, mais ça serait bien d'avoir une copie. Même si j'ai quand même beaucoup de copies sur lui. On va les voir vite fait. Vous voyez, il est là. Oh, j'avais juste un seul doublon. Ok, mais ma box pour l'instant, elle ressemble à ça. Quand même pas mal. Hop, on continue les invocations. Deuxième multi, c'est parti. Allez, Kenpachi, on va entendre ta belle voix. Un 5 étoiles, ça serait bien déjà. Bon, on skip. Ouais. Bon. On oublie tout. Troisième multi, allez. Deux papillons. Là, c'est un 5 étoiles. Non, même pas. Ok, merci. Elle m'a feinté. C'est Rukia, ça? Oh, ok, je l'avais déjà, mais c'est un bon doublon à voir. Très bon, très bon. Le reste. Eh, en 3 multi, on a eu 4 persos, 3 persos de la bannière. Quand même, hein. Bon, allez, 4ème palier. Allez, hop, merci. C'est Kenpachi, je le sens. Ah. Bon. Bon, 5ème palier, 5 étoiles garanties. On est déjà à 1700 orbes. Allez, 250, c'est la bonne. S'il te plaît, allez. Ok, 5 étoiles. C'est quoi c'est? Oh mon dieu, la pire voix de tous les temps. Oh non, pas lui. Bon, je l'avais pas, mais quand même. Il est tellement détestable. Bon, ben c'est un nouveau au moins. Mais pour l'instant, juste des persos de la bannière. De ce que j'ai vu. Ouais, nouveau. Bon, mais il vraiment fait trop rire. Allez, prochain. On a fait une rotation complète. Donc, on s'attaque au 6ème palier. Je pense qu'on aura assez pour faire au moins 2 rotations. Peut-être 3 avec la chance. Ok, 3 papillons, 5 étoiles. Bon, de quoi après la pluie? C'est Rukia? Encore Rukia? Non, mais là, ça commence à faire beaucoup. Là. Je veux du nouveau. Ok. Non, mon premier doublon des 9 ans, c'est une Rukia. Ça va. Ok, 5 étoiles, parfait. On veut du nouveau. C'est le Quincy. Oh, Grammy. Ok, ouais, je suis content. Mais ça fait tellement bizarre, on dirait pas un perso des 9 ans, là. C'est trop bizarre. Kenpachi, je peux comprendre. C'est un perso adoré par tous les fans de Bleach, ou la plupart, peut-être. Mais Grammy, je sais que c'est à cause de leur combat qui est sorti récemment dans l'anime. Ok. On a le premier perso des 9 ans, c'est le Quincy Grammy. J'imagine qu'il est très fort, même si je l'aime pas comme perso. Ça fait quand même plaisir. Est-ce que je continue? Ça, c'est la question. Parce que j'ai eu un perso sur les deux. Je pourrais m'arrêter là, mais on peut au moins finir la rotation. C'est-à-dire jusqu'au palier 10. Allez, on veut le Kenpachi, s'il vous plaît. Ok, très bien. Que dalle. Palier 9, s'il vous plaît. Ok, 5 étoiles. Avec ton niveau, tu ne verras rien du tout. C'est Soifon. Ouais. Un autre doublon, mais là, ça fait beaucoup, là. Parce qu'avec chaque perso de la bannière, ça aurait pu être un des persos anniversaires des 9 ans. Sauf que je me dis que j'ai eu de la chance dans un sens, mais j'ai pas trop de chance dans l'autre. Ok, je pense qu'on aura rien d'autre. Ouais. Un autre doublon. Ok. Oh mon dieu. Ouais, je pense que après, il me restera plus grand orbe. Donc, allez, le 5 étoiles garanti. La dernière multi, probablement. Allez, s'il te plaît. Ok. Ichigo? Ichigo de 8 ans? Ok. J'avais déjà. C'est mon deuxième doublon sur lui. Mais ok, on prend. Un perso anniversaire, on crache jamais dessus, hein. Peu importe qui. Même si tu l'as 8 fois. Non, peut-être pas. Non, ça va être tout. Oh merde. J'ai vraiment envie d'en faire une autre. Allez, j'en fais une autre partie. Oh waouh, rien. Oh non, mais j'ai gâché 150 orbes pour rien, là.
Oh wow. Je peux encore. Ok, non, une dernière, allez. Bah, c'est la dernière. Je vais tous mes orbes, c'est fini. On termine son 5 étoiles. Merci, on termine son 5 étoiles. Allez, le Zaraki Kenpachi. Non, ok, non, je suis triste parce que c'était pas Kenpachi, mais Toshiro c'est bien aussi. J'avais pas un nouveau, j'ai bien fait de continuer. Donc, on a eu un perso sur deux, c'est quand même ça. On aurait plus rien à voir, donc déjà, je vais pas me plaindre. Et en farmant les persos que je viens d'avoir, j'ai aussi récolté quelques orbes. Très bien, on va aller regarder un peu qu'est-ce qu'on a obtenu dans notre boîte. Hop, tri, acquisition. Non, attends, et voilà. Non, attends. 5 étoiles, c'est parti. Oh, quand même, ok. Donc, on a eu 1, 2, 3, 4, 5 nouveaux et 4 doublons. Mais 5 nouveaux, c'est bien. Déjà, waouh, ça fait beaucoup. Ici, je vais checker dans l'album. Ouais, il y a quand même un gros trou depuis. Comment il s'appelle lui? Kangdu. Parce que j'ai pas invoqué depuis. Elle, je l'ai eu par hasard dans une multi gratuite, je pense. Dans les tickets, je sais plus. Lui, j'aurais bien aimé l'avoir. Mais on a eu le nouveau Grémy. Il est pas encore 6 étoiles, mais on l'a eu nouveau. J'ai aussi skippé la bannière Mario de Bain. Je sais qu'il y en a qui voulaient que je la fasse, mais je suis désolé. Mais je devais économiser pour les 9 ans. La Matsumoto, waouh. Non mais regardez, oh non c'est abusé là. Abuse pas non plus. Sinon, le Iwaki, le Ichigo, les 8 ans, j'ai toujours pas le White Zetsu, mais bon, pas de problème. J'ai vraiment pas grand chose comparé à tous les persos qu'il y a, mais je vais pas me plaindre. Pas mal content de ce que j'ai eu en 12 paliers. J'espère que vous avez aimé cette vidéo sur la première partie des 9 ans. Sur Bleach BF Soul, 9 ans, ça fait beaucoup d'années. Il y en a qui ont même pas 9 ans, je suis sûr, qui regardent cette vidéo. Bon bref, le jeu est vieux, j'espère qu'il va encore continuer, qu'il va pas se faire canceller pour peu importe la raison. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé, abonnez-vous, like et partagez, et... Bye-bye.